Rebonsoir YouTube, je fais personnellement attention à l'heure parce que dans 2 heures il y a le direct Capcom de la TGS. Alors c'est généralement pas des directs foufous mais vous savez la curiosité, tout ça quoi. J'ai le sillon en nage. Je sais qu'ils annonceront pas de nouveaux jeux lors de ce direct, enfin ça m'étonnerait tout du moins mais... Je vais juste savoir s'ils vont faire un teaser de Mai avec les gros boobies dans SF6. C'est tout. Amicalement parlant. là. Non, pas Vingard. Hop. Et nous continuons enfin l'histoire. Le creuset de Muspelheim, clairement, je pense que ce sera mieux d'y aller plus tard. Nous n'avons plus qu'à trouver un moyen d'atteindre Heimdall. Oui, si c'est toujours le plan, ça l'est. Je présume. Je protégerai mon fils. Bien. Alors j'imagine que nous allons abandonner le plan initial consistant à éviter le Ragnarok. Cela dépendra d'Odin. Oui, et c'est bien là ce qui m'inquiète. Écoute, mon frère, ces choses qu'il t'a dites. Ces mots ne valent rien. C'est vrai, mais je doute que ces représailles soient une menace en l'air. Nous devons réfléchir à ce que cela implique. Tu vas trop vite en besogne. Voyons si Sindri a trouvé quelque chose. Donc voilà ce que je voulais dire, je ne serais pas surpris que le stuff qu'on débloque à Muspelheim soit probablement l'un des meilleurs stuff du jeu. Je ne serais pas surpris. Puisque ça demande de faire des défis assez, assez tendax. Et néanmoins. Pour les récupérer facilement, sachant qu'il y a énormément de coffres comme on a pu voir au niveau des combinaisons au sol. Ça serait beaucoup plus simple d'y aller lorsqu'on est beaucoup plus puissant. Ce qui fait que lorsqu'on récupérera le stuff, je pense qu'on sera plus faible. Mais lorsqu'il sera maxé, on sera plus puissant qu'avant, enfin. Si vous m'avez suivi. Le voilà. Hey, viens donc lui montrer la lance. Regarde ça. Allez, finis le travail. Oh, regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle. Pas besoin de me le dire. Tu as trouvé comment aller à Asgard? Pas vraiment. J'ai eu quelques idées, mais aucune n'a... marché. Mon frère, sans un accès à Asgard, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je suis... Vous savez quoi, je vais quand même augmenter le... C'est sûr qu'il ne s'est rien passé d'inhabituel avec la date. Rien du tout. Que dalle. Aucun problème, je te dis. Je vais quand même l'augmenter, histoire qu'il soit level. Tu t'attendais tant que ça, à ce que ça merde quelque part. Non, en fait, le souci, c'est que si je l'augmente, je pourrais pas vraiment l'augmenter plus après, alors que celui-ci, je pourrais. Et donc, je vais être en déficit de stats. Ouais, je vais améliorer celui-ci, et le rééquiper après, parce que je vais quand même voir ce que donne le permafrost. Ouais, regardez tout ce que je peux améliorer, quoi. Cela dit, les œufs pétrifiés, je les ai eus à Muspelheim. Ça, c'est intéressant aussi, mais c'est vrai que je ne le proc pas assez. Ouais, j'ai plutôt augmenté les lames. Qu'on peut faire. Non, non, et non. Ça, c'est pas trop mal parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'en raid, certes, on récupère de la vie, mais on aimerait la rage. Mais dans le même temps, si la rage est déjà pleine, c'est une pierre gâchée. Mais c'est intéressant.
Mais... j'en avais pas déjà 3. Attends, c'est les stats qui sont aléatoires hein. Je suis perdu là. Armure, amulette. Ah si, j'en ai plusieurs. D'accord, donc il peut en avoir plus que 3, je vois. Et on équipe celui qui nous sert le plus. Ok, compris. Hop. Ça change tout ça aussi. Il n'y a pas de drop à chercher ici? Non. Où vas-tu, mon frère? Dormir. Alors, on continue à avancer dans le noir en espérant qu'on ne tombera pas sur le Ragnarok. C'est ça ton plan? Là, les marques des chaînes sur les mains, enfin sur les bras, les avant-bras. J'ai voulu le répéter, mais ça rappelle toujours des souvenirs des premiers God of War. Par pitié, Sony, sortez une compile sur PS5 pour ceux qui ont la console et sur PC des anciens God of War. Même s'ils sont pas refus ou quoi que ce soit, mais juste histoire de les avoir, ça serait cool. Kratos. Tout va bien? C'est Atreus bébé, ça, non? Allons-y, tu veux? Tu apprécies ces douces vagues, petit homme? Ton père et moi traversons souvent cette rivière. Un jour,
apprendras à voguer sur ces eaux. Nous vivons au cœur de vos bois. La plus belle forêt de tout Midgard. Un lieu sûr et paisible. Le gibier y abonde. Et tu ne manqueras de rien. Nous ne sommes pas loin du lieu où ton père et moi nous sommes rencontrés. Nous avons failli nous entretuer ce jour-là. Bah voyons. C'est adouci depuis. Ah là là. Un peu. Malheureusement pour toi, il est toujours terriblement stoïque. Bon, c'est pas très patient d'appuyer sur le cycle pour avancer. J'ai avoir des crampes à force là. C'est quoi, j'aurais limite préféré que ce soit automatique. Ça aurait été moins désagréable pour mon pouce. Je suppose qu'il m'incombera de t'apprendre à parler. Ton père t'apprendra à chasser. Oh. Ou peut-être m'en chargerai-je également, puisqu'il ne semble savoir que grogner. N'as-tu rien à dire à ton fils ? Que veux-tu que je dise, Faye ? N'importe quoi. Qu'il apprenne à reconnaître ta voix. À te connaître toi. Moins il en saura, mieux il se portera. La connaissance n'est pas toujours un fardeau. Je pense que le puissant dieu de la guerre a peur de son propre enfant. Je n'ai pas peur de notre fils, Faye. J'ai peur pour lui. Il est innocent. Nous ne sommes pas nos échecs. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous devons être meilleurs. Je me demande si il va trouver un accès à Asgard via les rêves qu'il fait, ou les souvenirs. Si jamais ils sont manipulés par Faye d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un rêve ou il a été enfermé? Non, enfermé, ce serait bizarre, non?
Non, s'il vous plaît, je sais pas, je vois Atreus là. Qu'est-ce qui t'a fait ce mur? C'est pour me concentrer. C'est mon père qui me l'a appris. Et ça marche? Non, pitié, non. Mais sur quoi tu te concentres? Le contrôle de mes émotions. Emdal cherche à me faire perdre mon calme. Je dois lui résister. Troude, c'est Troude. Alors, on s'entraîne sans moi? Et c'est une bonne idée de s'entraîner. Enfin, je trouve ça bien, moi. Mais ta mère va pas se fâcher si elle l'apprend. Bien vu. Mais as-tu pensé à... Non, en effet, même pas mal. Plus sérieusement, grand-père veut te voir. Oh, ton grand-père. Ouais, bah, d'accord. Tiens, prends ça. Et passe mon bonjour à Sif, à Dame Sif. Et Atreus, on se voit plus tard. Et Troude, au revoir. Ouais, il a dit son véritable nom, du coup, à cet idiot. Je me souviens quand on l'avait croisé la dernière fois et il avait dit Loki. Étrange. Ça peut être bien. Non mais vous deux... Y'a quoi dedans? Du lait caillé. Ma mère adore. C'est sa façon d'aider. Grand-père est dans son bureau. On se voit plus tard? Oh non! Au secours! Pas lui! Pas lui! Ah, bel équipement! Sur quoi je peux travailler? Je dis ça parce que j'ai absolument envie d'avancer l'histoire principale, quoi, donc ça me fait chier! Voilà. D'XP, il a rien. La chambre de Sif et Thor. Père et les autres s'étoufferaient s'ils apprenaient que je suis venu ici. Oh, ils le savent, t'inquiète. Minute. Qu'est-ce que je suis venu faire? Attends, il a oublié de ce qu'il voulait faire ici? C'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours besoin de... Je suis plus une enfant. Cela n'a rien à voir avec ton âge. Alors quel est le problème? Parce qu'à mon âge, Magni et Maudit étaient engagés sur la voie de leur mort. Je ne comprends pas. Mais tu n'essaies jamais. Alors aide-moi. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir suivre leurs traces? Et qui plus est, avec ce garçon? Ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste... J'en ai toujours rêvé. T'as jamais eu... Nous sommes des As, pas de vulgaires paysannes. Nous n'avons pas de rêves, seulement des devoirs. Tu dois apprendre à agir en conséquence. Parfois, je te déteste. Ouais, ok, donc on peut rien faire de spécial. Ah, regardez qui voilà. Le maudit géant en personne. Sérieusement, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est toi, petit génie. Tu débarques, tu fanfaronnes, tu fais comme si tu savais tout de nous. Mais tout ce que je vois, c'est un gamin effrayé qui fait semblant. Qui se sait dépassé et prend des risques très... très loin de chez lui. Oh. Est-ce que je me trompe? Pitié, faites qu'on lui pète sa gueule. Mmh.
Dedans est peut-être dans sa bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne comprends pas. Le masque ? Ramener chez nous le géant qui a tué mes fils ? Pourquoi ? Je pourrais t'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Accepte-le et vis avec. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu ? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. Loki, viens là. J'ai enfin mis la mission. C'est là que vous avez tué Ymir. N'est-ce pas ? Le premier géant. Dis-moi, peut-on tuer un éboulement ? Étouffer une tempête ? Ymir était une force de la nature, la puissance incarnée. J'étais jeune et bête. J'ai vu l'occasion de créer quelque chose. Tu penses sûrement que c'était cruel, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger les miens. Tu comprends ? Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Que cache-t-il ? Si je dois vous faire confiance... J'essaie de t'expliquer. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose. La brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. Et j'ai su, à cet instant, qu'il me permettrait enfin d'obtenir des réponses. Vois-tu, mon enfant, j'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Je dois savoir ce qu'il adviendra de moi. C'est la vérité. Je te le jure sur l'œil qu'il me reste. C'est toute la vérité. Les runes sur le masque. Elles parlent d'un souffle glacial. Souffle, vent. Il doit s'agir des Lime. Lime, dis-tu ? Je te crois. Et je connais la personne idéale pour t'accompagner. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur de mes attentes. Tu peux compter sur nous. Essaie d'éviter de te planter. Oh, j'ai failli oublier. Emdahl se joindra à vous. Oh mon Dieu. Quel privilège. Pour nous tous. Hop, 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 hop. Pas si vite. Vous ne pourrez pas affronter le froid glacial de Helheim sans aide. Efrela. Voilà qui vous tiendra chaud. Ne me remerciez pas. Ymir a dit que même Odin ne pourrait survivre au froid d'Helheim. Tu crois tout ce que te raconte ce vieux bouc ? Aude, désolé que ta première sortie hors d'Asgard t'amène à Helheim. Non, ce sera une bonne expérience. Le retour. Vu qu'on y va avec lui, je me demande si on reviendra ici avec Kratos plus tard pour récupérer l'âme de Brock. Mais le père de tout m'a confié une autre mission. Si vous rencontrez le moindre problème, criez pour que je puisse retrouver vos corps. Bon, trouvons ce morceau de masque. Je peux enfin tester mes compétences aux côtés du grand expert des Valkyries. D'abord, les Éléens ne sont rien comparés aux Valkyries. Ensuite, je pensais que tu me croyais pas. Allez, au bout du nez.
croire que tu as affronté les Valkyries. Ce que je crois pas, c'est que grand-père les avait corrompus, qu'il a causé la désolation de Midgard et ordonné le massacre des géants. J'oublie quelque chose ? Pas mal de choses. Ouais, ok, j'ai compris. Il croit une vérité qui est fausse, en fait. Oh, ça va être compliqué de tous les convaincre. D'autres Éléens, en charge. Et moi, je te regarde sans rien faire. Tu rêves? Cauchemar! Elle est vraiment forte. En toute franchise, je trouve pas ces guerriers très difficiles à battre. Et Alpha! Alors, quels autres abominables crimes mon grand-père a-t-il commis? Voyons, il a décimé Vanaheim, torturé Tyr, exécuté Groa, assassiné Ymir, et y a pas de ça. Intéressant. Et où as-tu entendu tout ça? C'est Freya et Mimir qui me l'ont dit. Ah, donc sa traîtresse d'ex-femme et son ancien conseiller aigri? Je vois. Écoute, tu ne me crois pas, mais... Non, c'est vrai. Soit tu mens, soit t'es un hypocrite quand tu l'aides. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la mission? Alors, je l'aimais bien lui au départ, mais en fait, c'est une véritable saloperie. Trud, mon père n'a pas toujours été celui qu'il est aujourd'hui. Il on peut la tuer? Ou la laisser à Highline? On peut changer aussi. Je sais que c'est dur d'entendre ce genre de choses, mais il faut que tu saches la vérité. Ce que tu choisis d'en faire, c'est à toi de voir. Ou alors... Je vois rien qui m'indique qu'on viendra avec Kratos. Enfin, je vois pas d'indication de corbeau, de corps ou quoi que ce soit. Attends, peut-être. Non. Impasse. C'est ici que le masque nous dit d'aller? Faisons demi-tour. On trouvera un autre chemin. Tu vois, les Éléens, c'est qu'on est sur la bonne voie. Bien sûr. M'en occupe. Bien, il y a un gros trou là-haut maintenant. C'est peut-être notre passage. Hé, hey, tu m'en veux pas, hein? C'est bon. Peut-être que nos familles sont censées être... Mais pas nous. Je refuse de le croire. Ce que je crois en revanche, c'est que tu ferais une grande Valkyrie. Et je le dirai à ta mère. Même si elle me fiche une peur.
Je vais garder ce que j'ai pour l'instant. Cela dit, il est super intéressant. Pas de passage par ici non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais mon instinct me dit que ce qu'on cherche est ici. Avoir un arc, c'est une chose. Savoir s'en servir, c'est une autre chose. Si tu m'apprenais, je serais la première Valkyrie Archer. D'accord. Elle a traversé le sol! C'est peut-être notre passage. Descendons pour voir. Maintenant, on va... Salut Messi, comment on va? On est en multi-stream sur Twitch aussi, si jamais. Droit dans un coup de pied. À l'attaque. Bien oh, c'est génial. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Une revenante. Je vais la ralentir. Non, le pas où, non. Charge. À quoi ça sert d'avoir les tonneaux en haut si on peut pas les ramasser ce qui drop? Et on est encore bloqué. Le masque. Le guidage du masque est un peu bizarre avec toutes ces structures sur le chemin. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Tu vois ? Honnêtement, je préférais pour l'instant le... Quand on est venu à Elam la première fois dans le premier. C'était plus impressionnant que là où c'est juste... visuellement différent, certes, des autres zones du jeu, mais en même temps similaire. En termes de... cheminement. Je l'ai acheté. Bah, comme il vient de sortir sur PC, il est plein pot, mais c'est moins cher que sur console. Attends, je vais te dire. 60. Je l'ai acheté 60 sur le store français. Sur PC, hein, évidemment. Oui, c'est ça sur Steam. Je sais qu'il y a d'autres plateformes comme comment il s'appelle, Instant Gaming, etc. Mais j'achète pas là-bas. Disons que depuis que j'ai connu un pote qui a perdu ses jeux à cause d'Instant Gaming. Est-ce que tu te moques de moi? Je veux que ça se passe bien. Je ne vais pas dessus. Vois de quoi je suis capable. Je sais, moi aussi. Mais il est sorti la semaine dernière, donc si jamais il t'intéresse, vas-y. Hein. Il est bien optimisé. Étonnamment d'ailleurs. Masque ? On dirait que c'est par là.
Je me charge de l'ouvrir. Après, si jamais tu possèdes la PS5, je pense que tu peux le trouver moins cher en physique d'occasion. Tu vois quelque chose là-dedans ? Par contre, ah oui, une petite précision. Voilà. Bien. Il coûte 60 sur PC, mais t'as les DLC inclus. Faisons demi-tour pour voir ça. Bon, je parle beaucoup de ma mère. Et toi, comment est ton père ? Alors, config PC, j'ai une 4090. Il essaie de me forcer à devenir comme lui. Mais je crois pas que ce soit moi. Alors je sais plus quelle proc, carte mère, etc. Mais c'est le top du top en fait. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Toi, tu as cette chance. Tu vas trouver. Tu peux difficilement avoir mieux aujourd'hui en fait, j'ai envie de te dire. De toute façon, c'est marqué je crois dans les menus si je dis pas de bêtises. Genre, on va se regarder, hop. Ouais, tu vois, c'est marqué à droite là en haut. 4090. Non, je trouve pas d'écran 4K, à mes yeux pour moi ça n'a aucun intérêt. Du coup je fais un écran 2K. Je privilégie le framerate avant tout. En gros, moi j'aime bien jouer en 120 FPS en général. Non, et si je passe sur un écran de 4K, même si tu es de 4090, ça n'atteindra pas forcément le 120 FPS. Et pour moi, c'est important ça. Et en 2K, tu peux avoir le 120 FPS donc. Voilà. Je fais partie de ces gens-là, si tu veux, qui se sont habitués au 120 FPS et même le 60, j'ai du mal à retenir en arrière. J'y arrive plus le 60. Et le 30, n'en parlons même pas. C'est par où ? Le masque nous disait d'aller tout droit. Mais bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Joli. Je suis sûr qu'il y a un autre accès. C'est toujours le cas. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie ? Un peu par hasard. Chacun de leurs mouvements était net et précis, comme si elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Et à ce moment-là, je l'ai su aussi. Et maintenant, par où ? Est-ce que ça serait un achat immédiat ou pas, Messi ? Ou tu peux attendre un peu ? On dirait que c'est par là. C'est trop lourd ? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Ah, trop lourd. Pas mal. Je sais. Ah, ça, en gros, si tu veux, tu as la série des 5000. Donc, partira... on n'a pas exactement la date, mais potentiellement l'année prochaine. Comme je le disais. Fin d'année, je sais pas trop, il n'y a pas encore la date. Et lorsque la série des 5000 va sortir, en fait, ça a baissé mécaniquement le prix de toutes les cartes graphiques. Je n'avais aucun doute. Donc si tu peux attendre encore un peu, je te conseillerais d'attendre la série des 5000 et de prendre 5070 par exemple. Je sais pas combien ça coûtera, mais ça devrait être l'entrée de gamme, je pense. Et si jamais c'est trop cher, lorsque les 5000 seront sortis, pars sur une 4070. Mais après, encore une fois, ça va dépendre
de ce que tu veux faire. Parce qu'il y a des jeux qui sont bien optimisés, il y a des jeux qui sont mal optis. Et là, c'est un développeur qui parle, puisque je suis développeur informatique, donc je vois à peu près de quoi je parle. Ça va dépendre de plein de choses en fait. Est-ce que tu veux jouer en 4K? Est-ce que tu veux jouer avec un bon framerate? Etc, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais généralement, la série des 3070, 3080, c'est pas trop mal. Et pareil, 4070, 4080, c'est plutôt pas mal. Mais descends pas en dessous. Et en tout cas, si je serais toi, j'attendrai la sortie de la série des 5000 parce que ça va baisser le prix de toutes les autres. Comme on l'a fait ici. Donc quelques mois à tout casser quoi. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les VOD de YouTube, je vous dis à la prochaine parce qu'on est déjà à plus de 40 minutes.